à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Je suis donc Samba David, coordonnateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse est organisée pour essayer de parler au monde entier sur la question relative au poisson-thon. Il y a quelque temps, nous avons fait des publications sur nos différentes pages pour dénoncer le non-respect du décret présidentiel portant plafonnement du prix du poisson-thon en Côte d'Ivoire et qui contribue vraiment à la cherté de la vie dans notre pays. Pour cela, il y a donc des acteurs clés du poisson-thon qui sont ici avec nous, qui vont vous dire leur vérité, leur part de vérité sur le dysfonctionnement de ce secteur-là et pourquoi nous, coalition des indignés de Côte d'Ivoire, nous avons pu faire cause pour l'application stricte du décret signé par le président de la République. Alors, nous avons parlé de l'existence d'un cartel au port de pêche d'Abidjan. Malheureusement, ce cartel est dirigé en grande partie par nos frères de la CEDEAO, qu'on appelle précisément les étrangers. Alors, c'est donc sous cet angle-là que nos frères abordent le sujet en disant que c'est donc un combat contre les étrangers. Non. Parmi nous, nous avons Kamfado Issa, qui est d'origine burkinabé, qui est aussi du secteur, qui est aussi victime du non-respect de l'application du décret signé par le président de la République. Sur ce, je voulais donc vous présenter les acteurs du secteur du thon en Côte d'Ivoire. Vous avez ici à ma gauche M. Anno Jérôme, directeur général de la société Inter-Océan, qui est là. Vous avez M. Tagro Müller, gérant de l'entreprise des établissements Tagro, qui est là. Vous avez M. Tano Jules de Inter-Océan, qui est là. Vous avez M. Kafando Issa de Océan Trading, qui est là. Vous avez M. Kamo Serge de Noé 153 GA, c'est-à-dire les 153 poissons de Jésus-Christ, oui, qui est là, qui est le directeur de cette entreprise. Vous avez Ko Marcel, qui est là, VIP Business, qui est là. Vous avez Ingessan Aoukolette, société NAC, c'est ça, qui est là. Vous avez Ingessan, vous avez Kwasi Delmas, oui, qui est aussi directeur de la société Ivoire Halieutique, c'est ça? Ivoire Halieutique Group. Alors, voici donc à mes côtés des Ivoiriens, ou Ivoiriens, comme j'aime bien les appeler, et nos frères de la sous-région qui sont donc acteurs de ce secteur-là, qui vont donc nous dire leur part de vérité. Nous avons dénoncé la non-application du décret signé par le président de la République le 22 décembre 2021. Et ce décret-là porte sur le plafonnement du prix du poisson-thon. Le poisson-thon, le prix varie à 4 niveaux. Aujourd'hui, nous luttons contre la vie chère. Et le chef de l'État, le 6 août, son discours à la nation a dit « La cherté de la vie est une affaire de tous. » Pour cela, chaque Ivoirien doit se sentir concerné par la lutte contre la vie chère. Voici ce que dit le décret. Au décret numéro 2021-910 du 22 décembre 2021, portant plafonnement du prix du kilogramme du faux poisson appelé poisson thon ou poisson gamba, prix maximal du kilogramme du poisson thon sur toute la chaîne de distribution. Il est dit
que le premier prix, c'est-à-dire prix TTC amateur aux amarreurs grossistes, doit être 400. C'est-à-dire quand le porteur de bateau arrive, quand il voit son poisson en Côte d'Ivoire ici, c'est à 400 francs d'acheter le poisson tombe sur le marché et au grossiste. Le grossiste, à son tour, prend le poisson et il le vend au demi-grossiste à 600 francs. Le demi-grossiste le prend, il le vend au détaillant à 650. Et le détaillant nous le vend, nous les consommateurs, à 850 francs. Voici ce que dit le décret. À 850 francs au niveau d'Abidjan. Après, à l'intérieur du pays, c'est-à-dire à 300 km d'Abidjan, à plus de 300 km, le kilogramme de poisson thon doit être à 900 francs. Voici ce que dit le décret du président de la République. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis le mois de janvier même, le prix du poisson est à 1200, entre 1200 et 1300 francs sur le marché ici. Ce qui est donc en porte-à-faux avec le décret du président de la République. Et nous, qui luttons contre la vie chère, nous ne serons acceptés cela. Puisque dans tous les ménages, ce qu'on retrouve dedans, c'est le garba. On va préparer à la maison, mais les enfants veulent manger garba. Et le garba est la nourriture la moins chère en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un a 500, il dit « je vais manger garba ». Il a 300, il dit « je vais manger garba ». Poisson 150, à ticket 100 francs, et puis les ingrédients 50, il est rassasié. Aujourd'hui, le garba qui est à la portée de tous devient une nourriture de luxe. Et nous le serons accepté. C'est la raison pour laquelle nous avons contacté les acteurs du secteur thon et les Ivoirois et Ivoiriennes, consommateurs du garba et aussi vendeurs du garba, pour que chacun comprenne que cette lutte-là, nous devons nous l'approprier. Alors, je vais donc donner la parole à Jules de Interocéan pour vous expliquer en long en large comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui, des Ivoiriens comme eux qui veulent l'application du décret au port de pêche d'Abidjan soit aujourd'hui retiré du système de vente du poisson. Parce qu'il y a ça aussi. Le président a pris un décret. Il dit qu'il faut que le poisson soit vendu à temps. Maintenant, eux qui veulent que le poisson soit vendu au prix décidé par le président de la République, là, ils ne sont plus au port de pêche. On les a retirés du système et il y a un cartel qui gère aujourd'hui, qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps sur le port. Donc, on va donner la parole à leur porte-parole, Jules, qui va ensemble nous expliquer ce fait-là. Je vous remercie. Merci, M. Samba. Bien, Jules Tano, c'est mon nom de Interocéan. Alors, tout à l'heure, en introduction, M. Samba a dit que le poisson photon, qui était un produit pour la masse, est devenu un produit de luxe en Côte d'Ivoire. Et ça, j'ai toujours dit, dans toutes les conférences de presse où nous sommes passés, on vous a dit, le photon, ce n'est pas que le poisson est faux. C'était juste pour distinguer la qualité du poisson qui va à l'usine et de celle qui va sur le marché local. C'était juste ça. Parce qu'en disant photon, au moins la douane n'allait pas être regardante dans l'application de ces prix. Ça, c'était le législateur qui avait fait ça en son temps. Mais il savait qu'aujourd'hui, nos amis, pour pouvoir couvrir leur forfait, disent qu'eux, ils importent du poisson, ils payent du poisson à l'export. Ce poisson est destiné pour l'usine. Une fois que ça va sur notre marché local, il est considéré comme photon. Qu'il soit, il soit beau, qu'il soit vilain, il est photon. Le photon, c'était juste pour faire une distinction entre ce qui va à l'usine et ce qui va sur le marché local. Ceci dit, un amateur, quand il prend son bateau pour aller en mer, il ne va pas pêcher du poisson appelé photon, il va pêcher du thon. Il n'a jamais dans la tête
aller pêcher du poisson qu'on met sur le marché local. Lui, c'est pour l'industrie du thon qu'il pêche son poisson. Alors, quand ils arrivent et que la pêche, ils n'ont pas le temps de trier le poisson en mer, ils viennent avec la cargaison à terre et c'est à quai ici qu'ils vont faire le tri pour envoyer ce qui n'est pas pour les standards de l'industrie du thon au marché local. Voilà la différence. Voilà la différence. Et on sait dans quelle assiette ce poisson se trouve. Mais la loi nous dit, à partir du moment où ce produit devient à grande consommation nationale, l'État peut se donner le droit de le réglementer. C'est comme ça que, depuis combien d'années, avec les écrits, les rencontres, les discussions avec tous les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'en décembre 2021, que le chef de l'État a pris ce décret que M. Samba vient de vous lire. Ce décret a bien déterminé le circuit de distribution et de vente, en plafonnant les prix. Aujourd'hui, on nous dit que ce décret ne peut pas être appliqué. On prend un décret. Tant qu'on ne l'applique pas, on ne peut pas savoir si oui ou non, il est bon. Vous refusez carrément de vous conformer à la loi. La loi dit, l'armateur qui vient avec son poisson, qui doit le vendre au grossiste, il le vend à 400 francs. Aujourd'hui, avant même que le décret ne sorte, le poisson même coûtait moins cher. Mais depuis que le décret est sorti, le poisson a doublé, voire triplé sur le port même. Avant même d'arriver au marché, au panier de la ménagère, le poisson a triplé en prix. Le poisson, comme je l'ai dit, le poisson a triplé en prix. Au départ, on pouvait payer ce poisson à les gens au marché, si on veut dire, au marché où la femme va payer, la ménagère va payer. Ce poisson-là coûtait déjà 850, 900 francs. Mais aujourd'hui, il est vendu à combien? 1200, voire 1300 francs. Vous pouvez aller au port de pêche aujourd'hui, vous allez vous-même vous faire une idée de ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, vous arrivez, vous allez payer ce poisson-là à 1100 francs déjà pour les demi-grossistes. Donc, à combien le panier de la ménagère va payer ce poisson? Voilà un peu le problème dans lequel nous sommes. Nous avons écrit depuis, je ne sais pas si je vais vous épargner des détails, sinon on est parti depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous regardez, ça fait 22 ans qu'on parle du même problème. Ça fait 22 ans. On a dit en plafonnant les prix, ça va nous aider à connaître, effectivement, à permettre au peuple de manger moins cher. Le garba, c'est un produit purement ivoirien. Ça ne vient de nulle part. C'est en quoi tu vois ici le rejet des poissons au port. Les gens ont créé un commerce autour. C'est pour cela qu'on dit le poisson garba. Ils ont créé un commerce autour et ce commerce-là, c'est ce que vous avez vu les élèves à l'époque. Qui n'a pas mangé garba et puis chercher serviette là ou serviette accrochée pour essuyer sa bouche là? Qui n'a pas fait ça? On a fait tout ça. Aujourd'hui, le garba se retrouve quoi? Je disais, pour répondre un jour au ministre, il disait que lui-même, il mange garba. Le ministre des Ressources halieutiques et animales. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, si vous mangez garba, c'est par envie. Il dit non, il a commencé à rire. Il dit non, lui, ses parents sont à Bobo, lui, il mange garba. J'ai dit, monsieur le ministre, c'est par envie. Parce que le garba, on sait l'assiette dans laquelle ce poisson-là se retrouve. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est les foyers les plus faibles. On va dire les foyers les plus vulnérables, c'est dans ces foyers-là qu'on retrouve le garba dans leurs assiettes. Sinon les autres, les enfants, ils mangent soso, ils mangent capitaine, ils mangent mérou, poisson qui a non. Voilà. Mais nous autres là, nous qui sommes nés à Bobo, qui avons grandi dans les Yaoussegui et autres, là, voilà, on mange garba. Ça, c'est notre quotidien. Et je crois que
C'est ce que le président de la République a regardé pour prendre ce décret-là. Un décret qui est signé depuis 2021 décembre jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu l'arrêté ministériel d'application de ce décret qui a défini le Garba. Voilà la définition du Garba. Ici, voilà l'arrêté interministériel. C'est signé par les deux ministres halieutiques et commerce. Il y a des gens qui refusent d'appliquer ça. Mais, bizarrement, dans ce pays, les gens refusent d'appliquer. Parce que même l'arrêté est là, mais il y a la décision du directeur du commerce qui a encore donné encore plus d'explications terre à terre pour qu'on puisse comprendre le sens même de ce décret. Mais personne ne veut appliquer. Moi, je ne comprends pas. Comment on est dans un État et des gens peuvent se lever pour défier l'État. Un décret que le président prend, quelqu'un dit, moi, je ne l'applique pas. Et c'est au vu, au su de tout le monde. Parce que ce que je suis en train de dire, vous pouvez le vérifier sur le marché du port et même, vous pouvez faire une enquête avec les vendeurs de Garba. Ils vont vous dire le prix auquel ils payent dans les dépôts et même au port. Vous voyez un peu pourquoi nous sommes assis ici. C'est pour dénoncer et puis vraiment dire notre cri de cœur, faire notre cri de cœur pour dire aux gens qu'il y a problème. Il y a problème si on ne regarde pas, ce commerce-là va disparaître. Ça va disparaître, ça sera un commerce luxueux. Ou celui qui n'a pas l'argent ne peut pas faire aussi, alors que c'est un petit commerce. C'est un petit commerce où tout le monde peut même, avec 1 million, commencer à faire ce commerce-là pour payer du poisson. Parce que si on remonte au prix 400 francs pour une tonne, ça te fait 400 000. 400 000, il faut avoir du matériel derrière pour faire partir. Donc, on va dire, quand tu vas le dédouaner et tout, ça va te revenir vers 600 francs. Vers 600 francs. Il faut que tu vendes pour avoir quelque chose. Donc, avec 1 million, on peut faire ce commerce-là. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. C'est fini, là. C'est fini. Chers journalistes, je voudrais attirer votre attention. C'est un coup de cœur que nous lançons ici aujourd'hui. On compte sur vous pour faire passer ce message-là aux populations qui vivent en Côte d'Ivoire, ici. Parce que c'est pour les Ivoiriens qu'on parle. On ne va pas parler de ceux qui sont en France, ailleurs. On parle des Ivoiriens pour leur consommation. Pour leur consommation, le chef de l'État a pris la décision d'aider le peuple. Mais derrière, il y a des gens qui ne veulent pas. Moi, j'appelle un peu au bon sens de ces frères-là pour leur dire, si nous tous, on suit le décret, on se met en accord pour suivre le décret et respecter les règles du jeu, tout le monde va gagner son pain. Mais aujourd'hui, c'est les gens retroussent les manches pour montrer que moi j'ai l'argent plus que toi, lui il n'est rien par rapport à ceci, cela. Et c'est des spéculations à n'en pas finir. Lui il est ceci, et il doit celui, cela. Le vrai problème, si aujourd'hui on applique ce décret, il y a beaucoup de choses qui vont se savoir. Et les gens ne veulent pas que la vérité se sache sur ce commerce-là, c'est tout. Le vrai problème sur ce commerce-là, c'est que il y a quelque chose, il y a des non-dits qu'on ne veut pas que les gens découvrent, c'est tout. Sinon, l'armateur lui-même qui doit vendre son produit à 400 francs, il ne se plaint pas. L'armateur ne s'est jamais plaint. C'est des gens qui sont là, qui écrivent aux armateurs pour dire que Pierre ou Paul, c'est lui qui allait actionner le gouvernement et que le gouvernement a pris le décret. Donc, toi, on va te bannir du système. Et si on te bannit du système, il y a aussi des gens derrière qui les aident à faire ça. On ne peut pas citer son contemporain ici, mais ils se reconnaissent dans ce que je dis. Ils se reconnaissent. Le problème, en Côte d'Ivoire, le président a pris un décret et plus personne ne peut parler. L'État, c'est un démembrement, il y a tout, juste du président. Le président a fait sa part, les ministres ont fait leur part, le directeur du commerce a fait sa part. Mais il y a d'autres services qui sont là pour la répression. Personne n'ose lever le doigt. Même la commission de la vie chère, elle attend quoi?
vous faites une réflexion, descendez dans les frigos, là, commencez à fermer deux ou trois, vous allez voir que la vérité va sortir. Je vous remercie. Merci. Voici donc ce qui est dit en ce qui concerne la cherté du poisson thon ici en Côte d'Ivoire et le non-respect de l'application du décret signé par le président de la République. C'est quand même de bonne foi que ce décret a été signé pour lutter contre la vie chère. Quand on dit il faut que le poisson soit vendu aux consommateurs que nous sommes à 850 et qu'aujourd'hui le poisson est vendu, le poisson thon est vendu ici à Abidjan à entre 1200 et 1300 et que personne ne lève le petit doigt pour dénoncer cela, il y a problème. Est-ce la signature du président de la République qui n'a pas de poids? Ou c'est le cartel qui a plus de poids que le président de la République? Telle est l'interrogation. Quel est donc le rôle du Comité national de la lutte contre la vie chère qui, avec constat, passe dans les boulangeries pour dire qu'il faut que ça soit respecté, les baguettes de pain, même quand on constate que la baguette de pain de 150 a diminué. Mais qu'est-ce qu'elle fait pour se rendre aussi au port de pêche pour constater ce qui se passe là-bas? Voici ce pourquoi nous qui sommes consommateurs et aussi vendeurs du gaba, disons que c'est une lutte qui nous concerne tous. Parce que quand à la maison on n'a pas préparé, chacun a au moins 200 ou 300 pour manger garba. Aujourd'hui, ça devient une nourriture de boss. Il y a donc problème. Alors, les acteurs, pour ne pas diminuer ce problème-là, pour ne pas résoudre ce problème, parlent d'une guerre livrée aux étrangers. Non. Je voudrais vous présenter ici quelqu'un qui est ressortissant de la CEDEAO, qui est l'un de mes beaux, parce que j'ai eu un enfant avec une fille du Burkina, qui est là, qui est aussi victime de ce que le cartel fait sur le port. Je voudrais donc donner la parole à Kavano Issa pour lui dire, est-ce qu'il est là aujourd'hui, sur cette table-là, avec nous, pour livrer la guerre à ses frères, pour dire que ce sont eux que nous chassons, ou il est là pour que la légalité soit respectée? Chers frères, voici. Merci beaucoup à les personnes présentes. Je suis Kafando Issa. J'ai mon entreprise Océan Trading. Je suis importateur de poissons du Maroc aussi. Et je suis secrétaire général aussi de FENACTA. C'est-à-dire que la Fédération nationale des vendeurs de thon et d'abattoirs en Côte d'Ivoire. Ok. S'agissant de ce problème-là, c'est un problème qui est un peu complexe. Parce que aujourd'hui, je suis carrément déçu quand j'apprends que mes frères disent que non, que c'est un combat qui est contre les étrangers. C'est-à-dire qu'on parle de xénophobie, je suis désolé. Il s'agit de quoi? Excusez-moi beaucoup. Vous avez votre étranger que vous recevez chez vous à la maison. Il arrive, vous êtes content de voir votre étranger. Vous le prenez comme un frère. Bon frère, on va partager mon plat. Mais arrivé à un certain moment, l'étranger t'arrache tout le plat. Et puis ça dit que tes enfants là, ne peuvent plus manger. Cette histoire de thon au port, ce cartel-là, c'est quoi le problème? C'est comme l'a dit tantôt mon dévancier, le cartel essaie de fermer, c'est-à-dire de couvrir. Il y a quelque chose qui se cache. Et cette chose-là, nous le savons. Parce que je ne comprends pas. L'État prend une décision, un décret. L'État dit, voici
comment le poisson doit être vendu. Parce que l'État a fait des investigations. L'État ne se lève pas comme ça pour donner des trucs à la hâte, non. Donc l'État décide et dit, bon, voilà, à partir de jeudi, c'est comme si c'est comme ça. Mais des personnes disent que non, c'est pas possible, c'est comme si c'est comme ça, parce que en bas, il y a des spéculations, il y a un trafic qui se fait en bas. Excusez-moi, moi je suis clair dans la chose, hein. Il y a un blanchissement d'argent qui se fait. Oui, je suis responsable de tout ce que j'ai dit. Hein. Je ne le dis pas avec peur, je le dis avec conviction. Et aujourd'hui, des gens qui se lèvent pour un combat juste disent, bon, écoutez, nous, on a envie, c'est vrai même que si la vie est devenue un peu chère, on a envie qu'au moins, on soit dans la moyenne à ce que, comme dans le passé, où on pouvait peut-être se permettre de manger du gaba. Bon, moi, dans mon temps, je disais qu'à 50 francs, on mangeait gaba. Mais si aujourd'hui, on ne peut pas le faire, même au moins, quand même qu'on arrive à faire avec 200 ou 300 francs, la moyenne, n'est-ce pas? Ces mêmes bateaux qui viennent débarquer ici, ces mêmes bateaux vont débarquer dans d'autres pays où le poisson n'a vraiment pratiquement pas de valeur. Comme au Sénégal, comme en chose au Cap-Vert, comme au Ghana, comme aux îles Seychelles. Et pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est le plus grand consommateur de ce produit, qui doit normalement s'imposer, il y a un problème. On ne comprend pas. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Mais ce n'est pas nous qui fixe les lois, c'est le consommateur qui fixe les lois. Donc quand on nous dit, quand j'entends les frères dire que non, c'est un combat contre les étrangers, je suis désolé, c'est une filière dans laquelle on peut s'organiser de telle sorte que la population arrive à manger moins cher et descendant. Et c'est une filière que je vous donne avec assurance qui peut créer plus, qui peut créer des millions d'emplois. Des millions d'emplois. Ça, je ne le dis pas pour basiner. Parce que aujourd'hui, quand je regarde un peu McDonald's, je connais un peu l'histoire de McDonald's. Donc, à travers les cabadons, on peut faire beaucoup de choses. Parce que si cette filière-là prend un coup, il y a beaucoup de choses qui vont prendre un coup. Le producteur de manioc, le producteur de choses d'atypique, ceux qui font le jeu des produits maraîchers, pourtant avec une organisation, tout ça, on peut essayer de classifier les choses pour qu'on avance. Donc aujourd'hui, nous demandons à toutes les personnes présentes ici, surtout à la population, aux journalistes qui sont plus ou moins comme qui sont nos interprètes, et aussi à la population, comment de se lever pour comment ce problème-là, parce qu'il est vraiment très, 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 très sérieux. Merci. Merci bien. Vous l'avez écouté. Alors, pour ceux qui veulent réorienter la préoccupation des Ivoiriens en ce qui concerne le poisson-thon en Côte d'Ivoire, qui veulent que ça soit une affaire de xénophobie, n'aura pas son sens, parce que voici quelqu'un qui est avec nous, il est burkinabé, il vous dit le problème réel. Quand on invite quelqu'un à manger chez soi et qu'il veut prendre tout ton plat pour que tes enfants soient affamés, il faut donc t'élever. Voilà. Donc le cartel est donc dans cette mission-là. Et comme en toute chose, on prend toujours quelqu'un de l'intérieur pour combattre les autres, c'est pour cela que certains rois diront que non, vous êtes xénophobes. Sinon, la question d'ici ne concerne pas cela. Alors, nous allons donc donner la parole aux journalistes pour poser certaines questions qui vont vous permettre de comprendre. Parce que ici, dans la salle, je vois des journalistes qui ont fait des papiers allant dans le sens que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, l'occasion est leur donc donnée pour en savoir plus. Sur ce, nous allons donc ouvrir une première liste de journalistes pour des questions. Merci.
Oui, allons-y. Ok, je suis ancien procureur au Bajab Média. Au Bajab. Tout à l'heure, monsieur Jules, dans son propos liminaire, il a dit que les journalistes, faut que les journalistes puissent bien relayer les informations. Il a encore dit qu'il y a des choses qui sont cachées, ils le savent, mais ils ne veulent pas les dire. Mais comment relayer bien l'information si vous ne voulez pas les dire? Mais on veut bien savoir ce qui est caché que nous ne pas dit aux journalistes. Merci. Merci. Un autre journaliste. Pour vous présenter, Jean Crésus de Kouassi. Allô. Merci. Je suis Jean Crésus, journaliste aux médias numériques, Kouassi.com. Deux préoccupations. La première, tout à l'heure, M. Cafondo parlait, il a évoqué la question du blanchiment d'argent. Est-ce qu'il a des éléments de preuve qui attestent réellement au port ce cartel que vous dénoncez donne dans le blanchiment d'argent? Deuxième chose, c'est le prix, le plafonnement qui a été fixé par le gouvernement ivoirien qui, vous le dites, n'est pas respecté par ce cartel. Je voudrais poser la question de savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire, on dit le pays est le premier producteur de thon, mais est-ce qu'on a un bateau qui va en mer, qui revient, qui atteste que la Côte d'Ivoire est propriétaire au moins d'un bateau? Deuxième chose, ceux qui viennent livrer, il y a des marailleurs ici, ceux qui viennent livrer le poisson thon pour le vendre, est-ce que ce n'est pas à ces derniers-là qu'il faut s'adresser? Parce que ce sont eux qui, on pourrait dire, déterminent le prix, le coût, puisque la Côte d'Ivoire ne produit pas du thon. Est-ce qu'on peut imposer le prix, ce plafonnement-là, à des personnes qui quittent à l'extérieur ou venir avec leur bateau? Ils peuvent, ces personnes-là peuvent peut-être décider de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau? Merci. Merci. Et d'autres? Oui. Bonjour, messieurs. Moi, c'est Vakabal Touré. Je suis là pour AGM News. C'est un dossier que je suis pratiquement depuis même avant la rédaction du décret. Le décret que vous dénoncez. Alors, je voulais savoir. J'ai deux questions. La première est la suivante. Tout à l'heure, monsieur David, vous avez parlé des rites. C'est-à-dire que certains ici, vous avez énormément cité, ont été retirés du port. Qui les a retirés? Ça, c'est ma première question. Et moi, j'ai ma compréhension du dossier, c'est une opinion peut-être personnelle que vous n'allez pas partager. Moi, j'ai été au bord du pêche. Je me suis informé en façon, j'ai fait immersion là-bas, avec un bac bien sûr. Certains parmi vous là seraient porteurs des dettes. Alors, donc, incapables donc d'honorer leur engagement, ils ont fait l'élection. Ceux-là, on ne peut pas dire qu'ils ont été retirés. Qui va les retirer? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Il y a un monsieur là qui était au nombre de vous lorsque vous étiez à Zala. Il s'appelle Kétouré. Son nom, c'est Kétouré. Il n'y a pas longtemps, j'ai donc lu sur les réseaux sociaux, excusez-moi, ce monsieur-là se plaignait donc d'une affirmation de M. David, qui est parmi vous, qui l'avait cité également comme étant aussi l'une des victimes. Ce monsieur a donné un droit de réponse pour dire qu'il ne se reconnaissait pas, n'est-ce pas, dans les déclarations, dans les affirmations de M. David concernant cette histoire, cette affaire des photons. Maintenant, une dernière préoccupation, qui n'est peut-être pas une question, ça concerne l'État de Côte d'Ivoire. C'est ma première fois. Moi, je suis journaliste, ça fait 32 ans. C'est ma première fois de voir un chef d'État rédigé, même s'il n'a pas rédigé, ses collaborateurs l'ont rédigé, il a lu, il a pris soin de lire, il en a apprécié
les avantages et les inconvénients, et il a signé. C'est la première fois que ce décret n'est pas appliqué. Même les ministres, les deux ministres, leur arrêté qu'ils ont conjointement signé pour soutenir ce décret-là, cet arrêté, aujourd'hui, il est à la poubelle. Et je me suis renseigné, mais pourquoi? On me dit non, il y a eu une série de réunions au ministère avec les deux ministres et que la balle a été renvoyée aux acteurs. Il vous a été demandé, n'est-ce pas, de travailler main dans la main, de réfléchir avec intelligence et d'apprécier à nouveau le problème. Et de revenir ensuite, n'est-ce pas, vers le gouvernement pour pouvoir, pour que le gouvernement puisse prendre la décision qu'il faut que tout le monde accepte. C'est à ce stade que nous sommes. Donc tout est au point mort. Mais vous parlez de cartel. Est-ce que c'est cet état-là qui est cartel ou alors c'est des gens qui sont assis là-bas qui sont véritablement le cartel? Parce que ces gens-là, moi, je ne crois pas que ce soit ces gens qui puissent empêcher l'application d'un décret pris par l'État de Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, allons-y. Merci, J.B. Kouadio, le nouveau réveil. À vous entendre, ce sont les ressortissants de la CEDEAO qui font la pluie et le beau temps au port d'Abidjan. Comment l'expliquez-vous que ce soit des frères venus d'ailleurs qui prennent le dessus au port d'Abidjan? Et dans la chaîne, il y a les marailleurs, grossistes, détaillants, ceux que nous avons en face de nous. Ils sont à quel niveau dans la chaîne? Merci bien. Oui, bonjour, c'est messieurs. La dernière question. D'accord, la première vague. D'accord, moi c'est M. Herman Adibo, nous disons Terra News. D'abord, bonjour à la table de séance et bonjour à mes confrères. La question que je vais faire, une précision, je vais revenir un peu sur le prix de 1200. Comme mon dévancé l'a si bien dit, moi également j'ai été au port avec un bac bien sûr. Je suis allé faire le constat sur le nombre de poissons qui est aujourd'hui. Et importé, j'allais dire, c'est ça, moi, je ne trouve pas importé, exporté, sur nos quais. Et il s'est trouvé que, malheureusement, les poissons qu'on arrive plus sur nos quais. Est-ce que c'est parce qu'il fait un peu le problème de 1200? Pour revenir aussi sur la question de le combat qui est étranger, quand vous dites étranger, vous parlez de qui exactement? Puisqu'on connaît des sociétés qui gère ce secteur-là. Et moi, personnellement, les sociétés que j'ai rencontrées, je n'ai pas encore vu d'étrangers. Mais quand on parle d'étrangers, on parle de qui exactement? Merci. Donc, merci. Merci aux journalistes. Quelqu'un disait, Samba, quand tu finis de parler, que les gens ne disaient rien, c'est qu'ils ne sont pas intéressés. Quand tu parles, que les gens posent des questions, ils voudraient comprendre davantage parce qu'ils sont intéressés. C'est à cela que je voudrais donc dire merci aux journalistes qui ont posé des questions afin de nous permettre de comprendre davantage. Je voudrais recadrer les choses. La question, en fait, le but de notre présence ici ne s'agit pas de dire qui est étranger, qui ne l'est pas. Nous avons levé l'équivoque sur ce point que certaines personnes, vers certaines personnes voudraient orienter cette revendication. Voilà. Et c'est pour lever l'équivoque que nous avons donné la parole à Kafando, qui, dans son exposé, l'a soutenu. Nous allons donc recadrer les choses. Le journaliste qui a donc appris que nous avons une conférence ici, qui est venue, parce que je l'ai annoncé lors de mon direct, vous qui êtes venus, vous qui êtes sachant ce dossier, ça va nous permettre, nous aussi, de comprendre davantage, puisque nous aussi, nous sommes rendus au port, nous avons rencontré ceux qui ont bien voulu nous rencontrer. Nous allons donner déjà la parole à M. Arnaud Jérôme pour répondre à la question de ceux qui doivent. Parce que, en réalité, c'est ça.
depuis toujours, nous a dit que le directeur de Interocéan serait redevable ou bien serait détenteur d'une ardoise, d'une dette énorme. Il est là aujourd'hui, M. Arnaud Jacques, Arnaud Jérôme. Voilà, donc il va prendre la parole, mais avant que Jules me dise quelque chose. Merci. Je vais, allô? Je vais juste passer sur. Jules Tano, toujours. Interocéan. Ok. Le titre. Non, le directeur général est là. Moi, je suis le directeur des opérations et chargé des relations extérieures. Ok, donc le directeur général est là. Bon, je voudrais un peu répondre juste à M. Touré, Makaba, c'est ça, hein? Tout à fait. Sur la, cette affaire d'Adoise dont on cite Interocéan. M. Touré, je l'ai dit à une conférence de presse, quand on prend une dette, on brandit ça devant chaque fois pour dire aux gens que c'est parce qu'il doit qu'il qu'il ne peut pas travailler. Je dis que si pour nous tous qui sommes ici, si quelqu'un connaît la gestion d'une entreprise, ce n'est pas un problème, ou pas pour une dette que quelqu'un peut arrêter de commercer avec toi, parce que tant que tu lui dois, il est obligé de te donner du poisson pour que tu puisses payer ta dette. Sinon, avec quoi tu vas payer ta dette? Donc ça, c'est déjà un faux problème. Et une entreprise, la seule entreprise en Côte d'Ivoire qui ne s'endette pas pour se désendetter, c'est qu'elle fait du blanchiment d'argent derrière. Une entreprise, tu t'endettes, c'est aussi un État. Le même fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Quand vous regardez l'État des dettes extérieures et intérieures, mais il fait tout pour honorer ses engagements. C'est ça. Donc, une entreprise, ça s'endette, ça se désendette. Ça veut dire, cette entreprise-là marche bien. Sinon, pour dire, quand vous êtes allé pour votre gouvernement, vous êtes allé au port de pêche, tout ce même que vous voyez là-bas, il y a combien d'entreprises qui détiennent une chambre frigorifique? Parce que cette chambre frigorifique, c'est une banque qui a donner l'argent pour construire. Si Interocéan n'était pas crédible, je ne vois pas pourquoi une banque va se fatiguer pour lui donner un crédit pour construire une chambre froide à ce niveau-là. Il n'y en a pas deux au port. Il n'y a qu'un seul Interocéan seul qui a ce bâtiment-là et qui a été construit dans les normes. Parce que il y a un cahier de charges que le port vous donne et quand vous remplissez le cahier de charges, vous pouvez construire un bâtiment là-dessus. Pour faire tout ça, il faut payer des impôts. La première des choses, il faut payer des impôts. Je vous épargne de certains détails, mais je vous dis, Interocéan, ce n'est pas pour un crédit que Interocéan ne peut pas travailler. C'est tout simplement, avec nos frères asiatiques et autres, une fois que tu commences à poser des problèmes quand tu travailles avec les Asiatiques, pour ne citer que ceux-là que je connais bien, une fois que tu travailles avec eux, même pour une virgule, vous arrêtez un contrat, pour une virgule, un Asiatique peut te donner le dos parce que quelqu'un lui a proposé 10 francs de plus. Et c'est de bonne guerre. Moi, je viens pour vendre ma marchandise. Toi, tu dis tu vas payer ça à 400 francs. Il y a un qui est là-bas, il dit paye à 700 francs. Pourquoi tu veux que je te vende? C'est tout le problème. On ne vous dit pas le problème, c'est tout le problème qui est là. Sinon, ceux qui racontent que Interocéan doit, ils ont été commis pour encaisser Interocéan qui le fasse. Qu'ils encaissent Interocéan, puisque c'est eux qui disent. Il y en a qui brandissent des papiers de Interocéan doit 2 milliards. 2 milliards, il doit 2 milliards. Et puis lui, là, assis, il dort tranquille dans sa maison. Il peut dormir les yeux fermés. Même pour 100 000 francs, on veut fermer ta porte. On dit 2 milliards. Et je plaise à le dire. Je vous dis, Interocéan
a un problème avec les Coréens parce que Inter Océan veut forcément qu'on diminue le prix du poisson. Moi-même, j'en ai fait les frais avec la même compagnie. La même compagnie pour laquelle il parle là, j'avais fait les frais parce que je me suis battu pour mes frais. Pour 10 francs, on a arrêté un prix de 300 francs. On finit le débarquement, le gars s'élève, il dit c'est 310. J'ai dit moi je ne paye pas. Vous avez cité Ké Touré, vous pouvez le rappeler. Vous lui demandez, il était témoin au Novotel. J'ai dit je ne paye pas 10 francs. Il dit tu ne payes pas, je ne travaille plus avec toi. J'ai dit je m'en fous. Je suis dans mon pays. Si ce n'est pas toi, c'est un autre. On en est venu aux mains avec le Coréen. Il prend son cendrier, il va me lapider. J'ai fait la même chose. Je lui ai dit, je ne paye pas. On a dit 300, c'est 300 ou rien. Il dit, bon, ok, I stop with you. J'ai dit, ok, thank you, bye. Je suis parti. Donc, il n'y a pas une histoire de dette qui fait que Inter-Océan ne travaille pas. Je profite en même temps pour répondre à certaines questions. Prix du poisson de M. Herman Adepo, je commence par vous. M. Herman Adepo, vous avez parlé du prix du poisson 1200 francs qu'on aurait dit que vous êtes allé au port, vous n'avez pas vu, c'est ça? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas plus vu que chose. Maintenant, vous nous dites, si ce prix-là est comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de poisson. C'est ça? On a fait une conférence de presse en février. Non, en fait, mars, en mars. On a fait une première conférence de presse en janvier et une en mars. Je vous avais expliqué le processus de l'approvisionnement du poisson. Le temps est cyclique. Quand vous partez de janvier à mars, vous avez ce qu'on appelle le repos biologique international dans les zones de pêche. On vous dit, nous pêchons dans la zone FAO 34 qui part d'ici jusqu'au large du Brésil. Et c'est dans ce secteur-là que nous pêchons. Mais ça ne nous empêche pas d'aller pêcher dans l'océan Indien, de descendre un peu plus bas dans d'autres zones. OK? Mais à cause de la reproduction du poisson, voilà pourquoi vous avez du temps tous les jours, on arrête à un moment donné sur une période de pêcher. Vous, à cette période, suivez-moi bien, de janvier à mars, si vous passez par l'Okodoro, regardez Karuna, vous allez voir beaucoup de bateaux de pêche, ceux qui sont arrêtés pour venir faire les réparations, pour attendre la reprise. La reprise va commencer vers mi-avril là-bas. Ils vont partir en pêche. Quand ils vont revenir, puisqu'ils font 45 jours de marée, c'est après 45 jours qu'ils vont venir, vous allez commencer à voir le poisson vers juin, voire juillet. Mais à partir de juillet, il y a de l'abondance parce qu'il a plu, il fait froid, l'eau a changé de température, les poissons qui ont écloré les œufs vont commencer à grandir et vous voyez qu'il y a du poisson. Alors où je vous parle, il y a du poisson. Même ils mettent au frigo. Les témoins sont là, hein, ceux qui vont au port de pêche. Il y a du poisson, ils mettent au frigo. Mais je vais vous faire une révélation. De mars, de janvier à mars, il n'y avait pas de poisson. On disait que non, il n'y aura plus de poisson à cause de ce prix parce que ils peuvent pas vendre leur poisson à ce prix. Ils vont vendre ailleurs sur un autre. Le gars, voilà. Le photon, là. Il n'y a pas un autre marché ailleurs si ce n'est pas Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'en a rien à faire avec ça. Le Ghana, il mange à peine un peu de thon et ils reviennent tous pour vendre ici. C'est ici qu'il y a un marché. C'est ici que les gens spéculent sur le prix du poisson. Dans d'autres pays, tu t'en vas. C'est ce que le groupement des marieurs ou des vendeurs là peuvent disent là que les gens respectent. En Côte d'Ivoire ici, les amateurs asiatiques qui vivent au Ghana refusent de vendre le poisson au prix qu'on dit parce que chez nous ici, si toi tu ne payes pas, il y a un autre là-bas qui va payer. Il n'y a aucune solidarité dans le business. Par contre, si on était unanime pour dire le prix qu'il y a là, ces gens prennent, ici, il n'y a pas un deuxième acheteur, ils vont s'aligner. Ils vont s'aligner. Donc, de mars
quand les bateaux ne venaient pas, en mars, donne-moi la date si tu as encore la date. Les premiers bateaux qui sont arrivés ici vers le 17 mars, je crois, 17 mars ou 20 mars, il y avait déjà 17 bateaux qui avaient débarqué en Côte d'Ivoire, plus de 800 tonnes de poissons. Bateau qui ne va plus venir là. Il y a eu 17 qui sont passés, même en repos biologique. Même en repos biologique, il y a eu 17 bateaux. On était, pour répondre un peu à monsieur, on était à une réunion au ministère du Commerce. On a envoyé les preuves. Parce que tout cette, la traçabilité du thon là, elle est facile. Le bateau, il arrive, il y a un manifeste que le consignataire vous donne. Quand vous débarquez le bateau ou le poisson, vous devez passer forcément par le pont bascule du port autonome d'Abidjan. Et le pont bascule vous donne des tickets de pesée avant même que la douane ne prenne la décision de faire décorer le poisson là pour vous donner un ticket pour une certaine célérité faire partie de votre produit. Donc tout le système est tracé. On envoie des documents. On leur a montré pour leur dire il y a du poisson. C'est une question de période, de telle période à telle période. Il y a un repos biologique, vous n'aurez pas de poisson. Mais à partir de telle période, vous allez avoir du poisson. Il y en a, les bateaux viennent. Les bateaux viennent. C'est les mêmes qui écrivent aux armateurs. Ça, je vous dis ça, ils ne vous disent pas. Ils écrivent aux armateurs que voilà, la compagnie, voilà les personnes qui ne veulent pas que vous fassiez votre business en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les Espagnols respectent? Pourquoi les Français respectent? Quand c'était les Français qui avaient les bateaux, là. Les Français n'en ont rien à cirer avec votre garba. Eux, c'est le poisson qui va à l'usine, là, qui est leur business. C'est ce poisson-là qui est vendu sur le marché international. Donc, vous avez les trois marchés mondiaux qui sont Bangkok, en Thaïlande, Manta, en Équateur, et puis Bilbao, en Espagne. Voilà les trois marchés où on discute du prix du thon. Tu ne peux pas discuter parce que c'est une bourse. Si tu n'es pas inscrit à la bourse, tu ne peux pas. Donc, quand ils ont trop de poissons qui ne peuvent rien faire, sachez que l'industrie du thon là s'arrête à partir de d'août. Tous les mangeurs, si vous voulez, les vendeurs de thon internationaux là, s'en vont en congé. Ils vont revenir en septembre. Donc, dans le mois d'août, la personne achète de thon. Et c'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de thon. Ils sont en train de stocker. Parce qu'il n'y a pas d'usine qui travaille. Ils profitent pour mettre tout le monde en congé à partir d'août. C'est en septembre qu'on revient pour faire le business. Mais en septembre, vous allez voir, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il y a du poisson. Pourquoi? Parce que les poissons sont devenus matures, on pêche beaucoup. Vous allez voir que le port sera inondé. Mais aujourd'hui, à cause du prix qu'on a plafonné, ils font du lobby auprès des armateurs pour leur dire qu'ils viennent raconter qu'on ne peut pas payer ce poisson-là. Mais si on ne peut pas payer là, ils vont envoyer dans quel pays? Ils vont envoyer où? C'est si seulement on peut payer. On a dit ça à l'État, on a dit aux gens. Ils nous ont demandé d'envoyer des preuves. On a donné les preuves. Mais les gens font semblant de ne pas comprendre. S'il y a un cartel, bon, ce cartel-là, il est libre de faire ce qu'il veut, mais qu'on respecte un peu la Côte d'Ivoire. Nous, notre problème, c'est de respecter la Côte d'Ivoire. Il y a un qui disait, pourquoi le décret n'est pas appliqué? Le décret n'est pas appliqué parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il y a des personnes. Effectivement, il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on applique parce que ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Vous avez vu quand le décret était sorti, il y a eu même des personnalités politiques qui sont passées à la télévision. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sont passés à la télévision, qui ont tapé leur poitrine pour dire, moi, je ferai tout pour que ce décret ne passe pas. C'est pour cela que je dis, il y a des noms qui, eux, ils savent pourquoi ils disent, c'est pas moi qui le dis. Si quelqu'un se lève pour dire, on dit quelque chose est cher, on va diminuer pour que le peuple mange, toi tu dis, moi, je prends la responsabilité d'empêcher que ça s'applique. Et puis ça ne s'applique pas, c'est qu'il est fort. Il est fort, c'est pas moi de me poser la question, mais lui il a dit devant toute la nation que lui va empêcher que ça passe. Et je constate que ça ne passe pas. Donc moi-même je me pose la question, au même titre que vous, je suis étonné. Je suis étonné. On a parlé de
de bateaux ivoiriens. Effectivement, il n'y a pas de bateaux battant pavien ivoirien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bateaux ivoiriens. Même s'il n'y a pas de bateaux battant pavien ivoirien, le port d'Abidjan est un port d'escale pour les autres bateaux. Il est le premier port douanier d'Afrique. Ça veut dire quoi? En transportement. Tout le monde pêche, il vient à Abidjan ici. À cause des installations du port, les gens préfèrent venir à Abidjan pour prendre leurs produits à partir d'Abidjan pour partir. Donc, la première des choses, c'est que le poisson est en route. C'est sa route qui passe par ici pour partir. C'est le tri là, qu'on appelle garbage, qu'on vous donne ici. Donc, le bateau n'est pas parti pour aller pêcher sur le poisson là pour venir vendre. À partir de cet instant, le gouvernement ivoirien peut se donner le droit de fixer un prix. Ce n'est pas s'ingérer dans cela. Et sachez que la loi même dit, existe depuis 1975, je crois, quand le directeur parlait. Les bateaux n'ont pas le droit d'ouvrir un compte ici. C'est pour cela qu'il y a des consignataires qui les représentent en Côte d'Ivoire. C'est le consignataire qui ouvre un compte d'escale qui gère le bateau pendant qu'il est là. L'armateur lui-même ne se déplace pas. L'armateur ne se déplace pas pour suivre le bateau comme ça. S'il n'y a pas de problème dans le pays où son bateau fait l'escale, l'armateur lui s'en fout. Parce qu'il a un consignataire qu'il a choisi, qui s'occupe de son bateau dans le pays. Donc, le consignataire, en principe, c'est chez lui, on doit déposer l'argent. Quand on a fait, on a contracté avec un vendeur, c'est chez le consignataire qu'on fait cette transaction. On dépose l'argent chez lui, c'est à lui de déposer sur un compte qui prend à charge les frais du bateau dans le pays. Quand le consignataire prend à charge ses frais, il rend compte à l'armateur là-bas. Mais bizarrement, chez nous, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que les gens prennent l'argent dans sachet? C'est pas moi qui le dis, mais eux-mêmes ils l'ont avoué devant le directeur du commerce à la chambre de commerce d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, pardon, au plateau. Eux-mêmes ils l'ont avoué, ils prennent l'argent dans sachet. Quelqu'un peut conduire 100 millions, 300 millions, 500 millions, la moitié d'un milliard les déposer sur le bateau. Et puis on appelle quelqu'un qui se trouve à la rue 12 et lui il vient pour faire l'échange en dollars, parce qu'ils ont besoin de dollars. Mais ça passe par quelle banque? Ça passe par quelle banque? Parce que voilà la raison pour laquelle vous parlez de blanchiment d'argent. Sinon, il n'a pas dit qu'il y a un blanchiment d'argent. Il connaît Pierre qui fait blanchiment d'argent. C'est le comportement, la pratique, qui fait dire qu'il y a un blanchiment d'argent quelque part. Parce que s'il n'y a pas de blanchiment, on passe par la banque. Si je dois payer 100 000 francs, je te fais un chèque, tu vas à la banque chercher, ou je dépose l'argent à la banque. Mais on prend l'argent cash. Je dis bien du cash flow sur les bateaux. Et eux-mêmes, ils sont allés faire les investigations au port, ils en ont vu. C'est pour cela que le directeur du commerce nous a réunis pour dire les choses que l'État de Côte d'Ivoire a constatées au port. Il leur a dit, on a convoqué les consignateurs pour leur dire, voilà ce que l'État vous demande de faire. Mais jusque-là, c'est toujours dans le statu quo, il n'y a rien. On regarde, nous tous on regarde, on vit ça, et puis on va dire, c'est parce que Pierre doit qu'on ne veut pas lui donner les bateaux. Mais qui écrit aux armateurs pour leur dire, c'est Interocéan qui pousse le gouvernement à prendre des décrets. Interocéan fort. Interocéan trop fort pour pouvoir convaincre notre président que moi je connais là. Je n'ai pas dit des personnes à notre président que moi je connais. Interocéan trop fort pour le convaincre de prendre un décret à cause d'Interocéan. Non. Je dis bien notre combat a commencé des années depuis. Les dernières lettres qui ont poussé à ce décret sont partis depuis 2019. 2019, Interocéan débarquait près de 2000 à 4000 tonnes de poissons qui stockaient au port. Mais Interocéan se battait toujours sur le prix avec les Coréens. C'est les mêmes qui ont écrit aux Coréens pour leur dire poisson, il y a Interocéan payé à 400 et quelques.
Nous, on peut payer ça à 750. On a les papiers, c'est les Coréens même qui m'ont dit. Donc, et même quand ils devaient venir payer ce même poisson, le Coréen vendait à Interocéan à 600 francs, mais eux payaient 750 francs. Quand il a compris que eux, ils arrivent à payer 750, il a dit, bon, si toi, tu ne veux pas payer mes 600 francs, basta. J'arrête mon business avec toi. C'est tout le problème. Ce n'est pas pour une histoire de dette. Parce que s'il y a dette, ils sont en justice. Et Interocéan veut son argent. Il veut son argent que j'ai gaspillé pour vous. Et ça, ça est là. Donc, ça n'a rien à voir avec le problème dans lequel on est. Que les gens disent la vérité. Moi, je dis, je vous ai dit tantôt, si ils ne veulent pas que le prix soit appliqué, que la chaîne de distribution soit respectée, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière. C'est, il y a des non-dits que nous, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais et que je confirme, on envoie de l'argent cash sur les bateaux. Ça, je le dis et je le confirme. De l'argent cash, autant de millions que le bateau peut faire, on dépose là-bas. Si tu dois faire un virement à l'extérieur, tu es obligé de passer par le FIMES. Le FIMES du trésor va prendre sa part là-dessus. Mais on ne fait pas ça. On prend le cash, on va sur le bateau transporte l'argent directement pour partir puisqu'on le fouille, on le fouille pas. C'est un bâtiment d'un état, à partir du moment où il bat le pavillon d'un état, on considère que c'est un état. Donc, on ne va pas à bord comme ça. C'est toute une procédure pour pouvoir atteindre. Mais c'est ce que nous voyons. Les gens donnent de l'argent cash sur les bateaux et c'est ce que les Asiatiques aiment. On n'a pas de problème avec les Européens, ça je le dis. Je le dis, vous pouvez partir à la commission de l'Union Européenne, que la pêche est gérée, je crois, par les Espagnols, l'ambassade. C'est un Espagnol qui est là-bas. Vous pouvez leur demander. Le représentant même de l'Union Européenne était sur le plateau de télévision pour Business Afrique, le ton. J'étais à ce plateau. Avec lui, il était là, tout le monde était là, l'administration était là. Il a dit certaines choses. Vous pouvez aller lui demander. Il va vous dire que les amateurs n'ont rien à fourrer avec votre faux poisson. C'est pour l'industrie du thon qu'ils pêchent. Donc on peut prendre des décisions contre le thon parce que c'est les Ivoiriens qui consomment. C'est nous qui consommons, c'est chez nous. Déjà, j'ai dit ça combien de fois pour qu'on comprenne. J'ai expliqué, j'ai dit. Le ministre en 2019 m'a dit, il veut des preuves qu'au Sénégal, c'est comme ça, au Ghana, c'est comme ça. J'ai envoyé les preuves, les décrets, on a fait un mémorandum, on a tout donné. C'est la suite de cela que ces papiers ont été sortis, c'est parce qu'ils ont été convaincus. Sinon, ce n'est pas une affaire de on doit ou on ne doit pas. On ne rentre pas dans le port, ou bien on rentre dans le port, ça c'est un problème entre le port et nous. Ça, on va gérer. Ce n'est pas un problème qui vient d'ailleurs, c'est entre le port et nous. Merci. Oui. Merci. Je voudrais donc préciser quelque chose. Voici donc le porte-parole des grossistes, le directeur des relations extérieures de Interocéan qui vient de parler. Tout à l'heure, le directeur général de Interocéan va prendre la parole et il va faire quelques précisions. Mais je voudrais dire à tous nos frères ici, vous voyez, il y a quelques jours, j'étais avec le président des consommateurs, l'un des présidents des consommateurs, qui disait, mais c'est grave, en Guinée, pour créer une mine en Guinée, il faut être guinéen, par exemple. Pour avoir un registre de commerce au Burkina, il faut être burkinabé. Pour avoir un registre de commerce au Mali, il faut être malien. Là-bas, on ne parle pas de xénophobie. Hein. Mais quand c'est ici, ce sont les Ivoiriens qui sont les premiers à crier. On est xénophobe. On a quel problème avec ça? Je parle d'un président des consommateurs qui a eu le temps de faire cette tournée-là qui dit il y a certains pays dans cette région, quand tu n'es pas national, tu ne peux pas avoir un registre de commerce. Ce qui est donné à tout le monde ici, là.
Là-bas, eux, ils ne crient pas xénophobie. Soyons logiques envers nous-mêmes. Kafando a parlé. Allez-y au Ghana. Allez-y au Sénégal. De la manière dont on parle aujourd'hui du cartel en Côte d'Ivoire qui détient le secteur du thon là. Allez-y là-bas, si on peut faire ça là-bas. Pourquoi nous-mêmes là, c'est nous, on est toujours prêts à faire preuve inutile. On dit le président a décidé, il dit poisson là, ça doit être vendu à 850. Donnez-moi le prix qui circule tout à l'heure, le prix que le ministère du Commerce a fait circuler. Non, le ministère du Commerce, l'affiche de lutte contre la cherté de la vie. Donne-moi ça en couleur là, donne-moi poisson. Ça là. Ça a été partagé, ça a été mis en ligne la semaine dernière, c'est-à-dire 11, du 11 au 17. Le petit poisson tombe 850. C'est pas nous qui l'avons créé, hein? C'est pas nous qui l'avons créé. Donc pour dire, il y a des choses qui sont vraies, c'est-à-dire ne défendons pas ce qui n'est pas défendable. Voici. Ça porte le logo de l'État de Côte d'Ivoire et de OCPV et puis la lutte nationale, le Conseil national de lutte contre la vie chère. Voici. Les trois logos sont dessus. Ou les quatre. Qui dit on doit acheter le kilo de poisson en 850. Mais sur le marché, c'est vendu à 1200 ou 1300. Garba là, c'est vrai qu'on n'a pas bateau ici. Mais c'est nous, on consomme. Pourquoi les Européens fichent le prix du cacao? Ils ont un pied de cacao chez eux là-bas. Ça veut dire que nous on plante, mais on ne consomme pas. Donc c'est celui qui consomme qui décide. Donc comme pour le moment, c'est nous on mange ça dans nos sens ici, dans notre garba. C'est nous on fiche le prix. Pour ça là, je ne vois pas comment un Ivoirois va faire preuve de ça. On dit, ouais, ça va être moins cher. Pourtant, il fait preuve de ça. Tu viens dire, non, vous là, il paraît que vous devez. Et ils disent, le poisson qu'on mange, ça va être moins cher. Mais tout bon Ivoirois doit avoir applaudi pour dire, on veut que le truc soit moins cher sur notre marché. Est-ce que ça là, il y a quelqu'un qui va faire preuve de ça encore? Aïe! Non, soyons logiques. Moi, quand on me voit quelque part, on dit Samba, il est venu pour attaquer Ouattara encore. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit, la signature de Ouattara doit être respectée. Et c'est ça, le patriote. Vous êtes où? Voilà. Bon, t'as vu, le patriote. T'as vu? Il faut que la signature d'Ado soit respectée. 850, il a fixé là. Vous avez acheté à 850? Et cela, il est mal varié encore. Et pour ça, des Ivoiriens vont venir dans la salle ici. Ils sont journalistes depuis combien d'années? Qui soutiennent. Arrêtons ça. Voici. C'est sur le site qu'on a tiré. C'est sur du commerce. Avant de donner la parole au directeur de Interocéan, nous allons donc donner la parole, d'abord donner la parole à Tabro Müller. Mais avant, j'ai fait un tour à Angré dans un garbadron qu'on appelle Igarba. C'est tenu par un Ivoirien. Vous avez suivi le direct que nous avons fait. On va dans les chambres froides pour acheter poisson. Quand c'est lui qui va, parce qu'on le trouve, on le voit comme concurrent, on dit il n'y a pas poisson. C'est un Ivoirois. Mais devant lui, après un tumto, on donne poisson à quelqu'un qui vient, soit d'être coupé. Nous avons ouvert une chaîne de distribution de Gaba Abidjan, ici on appelle Gaba Abidjanaise. Vous avez entendu parler de ça, non? On a ouvert 10 points à Ipoubon ici. Tout est fermé. Pourquoi? Pour prendre des poissons. Parce que nos frères qui sont avec nous ici, nous voient un adversaire, un concurrent. Donc lui là, il faut lui prouver des poissons. Ça se fait en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que ça là, on a besoin de... Non. Est-ce que ça... Attends. On dit ton pays, allez, ton pays va en guerre. Et puis toi, tu dis, mais pourquoi vous allez en guerre même? Je veux qu'on vous tue. Est-ce que ça, toi, tu es nationaliste? Ou bien tu es patriote? Arrêtons ça. Nous sommes victimes de ça. Et il y a des journalistes ici qui mangeaient dans mes gabadrons. Aujourd'hui, aucun gabarit n'est ouvert pour prendre des poissons. Vous voyez? Donc, ça, la gabarit, c'est notre nourriture. Tu n'as pas trouvé ça ailleurs. C'est notre nourriture. Il faut défendre ça. Il faut défendre ça.
Voici quand Fando qui vient de parler, il dit je t'invite à manger et tu veux prendre tout le plat. C'est ça la réalité. Des gens ne vont plus, on ne vend plus de poissons aux entreprises ivoiriennes, parce que les entreprises ivoiriennes, quand les bateaux arrivent, les entreprises brandissent le décret du président. Le poisson là, le président de l'Occident était à 400. Et puis le cadet va leur dire, si tu vends ça aux Ivoiriens, on passe à 400, pour nous vendre ça, on passe à 800, on vend ça à 600. Mais celui qui est venu vendre là, lui veut avoir de l'argent. Donc il dit, bon, vous les entreprises ivoiriennes là, on ne fait plus avec vous, on fait avec les autres. D'où le retrait. Mais la question que vous avez posée qui est normale, pourquoi le décret du président n'est pas respecté? Pourquoi l'arrêté interministériel consigné des deux ministres n'est pas respecté, n'est pas appliqué et puis il n'y a rien? Ça, c'est une bonne question. Là, c'est une bonne question. Pourquoi on n'applique pas ça? Et puis, c'est ceux qui veulent appliquer là qui se retrouvent dehors. Il y a ça aussi. Nous sommes ici pour dire ce qui est, pour que les choses avancent. C'est très important. Moi, j'ai mon grand frère, père à son âme, Mabi, qui était au port de pêche. J'ai donc côtoyé les gens du port de pêche avant que je ne commence à faire des gabadromes. J'étais à tout moment au port de pêche auprès de mon grand frère qui était syndicaliste. Pour ceux qui sont au port, ils doivent le connaître. Le combat qu'il a mené pour que le poisson soit moins cher en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai connu les Moumouni et autres, qui étaient collaborateurs, qui travaillaient avec mon grand frère. Donc je sais de quoi je parle. Sur ce, nous allons donc donner la parole à Tabo Miller, qui est DG des entreprises, des établissements Tabo. Il va dire quelque chose. Et ensuite, le DG d'Interocéan, qui est le seul Ivoirien, ou la seule société ivoirienne, Roise a construit une chambre froide au port autonome d'Abidjan, qui est la plus grande chambre froide d'Afrique même, d'Afrique de l'Ouest, à 1 800 millions, qui aujourd'hui est écarté du circuit. Et quand on dit qu'il y a quelqu'un qui doit, c'est de lui qu'on parle. Il va expliquer comment ça s'est passé. Je vous remercie. Merci. Je voudrais répondre sur l'intérêt à la préoccupation du journaliste du Nouveau Réveil. Comment explique-t-on que ce soit les étrangers qui dominent dans le port? En fait, nous sommes en train de démontrer les étrangers travaillent de concert. Ils travaillent comme si, on va dire, en coopérative, en union. Ils se soutiennent pour travailler. Et nous, qui exerçons dans la filière, on a le souci de la vie chère. C'est pour cela que nous avons mené ce combat. Ce n'était pas pour nous-mêmes en tant qu'entreprise. Comme tout à l'heure, vous venez d'entendre, le directeur d'Interocéan qui est là, qui a construit c'est le seul marieur à avoir une chambre froide propre à lui, étranger comme ivoirien, a soutenu le fait qu'on puisse travailler à faire baisser les prix. Et pour ces prix-là, aujourd'hui, on se retrouve dans cette position. La position, c'est laquelle? Que les gens aillent sur les navires, aller dire aux armateurs que ce sont les Ivoiriens qui veulent faire appliquer le décret du président. C'est la seule raison pour laquelle nous ne travaillons plus. Si vous leur vendez le poisson, ils vont l'acheter selon qu'il est contenu dans le décret. Par conséquent, si vous nous le vendez à nous les étrangers, nous allons acheter au prix qu'on aura convenu entre nous, entre l'amateur et les étrangers. Nous sommes là pour lancer un cri de cœur. Nous avons des impôts, nous avons des employés, nous avons nos assurances que nous ne pouvons plus couvrir. Parce que depuis février à la reprise, depuis mars à la reprise du travail jusqu'à aujourd'hui, aucun de nous n'a reçu un kilo de poisson pour le revendre. Pourquoi? Simplement parce que nous avons démontré à la face de notre pays qu'il était possible que les prix du poisson soient plafonnés.
Parce que la Côte d'Ivoire est le premier consommateur de thon. Vous voyez que c'est du poisson qui a du sang. Les gens n'aiment pas, les gens n'en mangent pas. Ce sont les Européens qui en mangent. Mais quand il a atteint un calibrage donné qui est de plus de 1,5 kg, tant qu'il ne passe pas 1,5 kg, il ne le transforme pas en conserve pour les Occidentaux. Donc les Blancs mangent le thon sous forme de conserve quand il passe les 1,5 kg. Mais quand il est en dessous de 1,5 kg, il devient pour nous au marché local. Quelqu'un disait tantôt, tout à l'heure dans les questions des préoccupations des journalistes, que cette période, il n'y a pas de thon. Il y a du thon. Il y a du thon. Et l'État de Côte d'Ivoire, normalement, il y a ce qu'on appelle, qui est contenu dans le décret 93-72, qui est la concurrence déloyale. Les gens font une spéculation en mettant le poisson en conservation dans le port, c'est-à-dire en zone sous-douane, et les prix continuent d'être stabilisés à hauteur ici en Côte d'Ivoire, ici sur les marchés. Pour ne pas que les prix baissent, ils préfèrent mettre le poisson en chambre froide. Et ça, ça peut se constater encore aujourd'hui. Si vous allez, vous les journalistes, vous allez à la SOCEF pour faire des investigations, à la SOCEF au port autonome, vous allez trouver du poisson des marailleurs en conservation. Pendant que le marché le coût du marché est à la hausse. C'est une spéculation, c'est une concurrence déloyale, c'est plutôt une pratique déloyale dans le commerce. C'est dénoncé au décret 93-68 relatif à la concurrence. C'est dénoncé. On ne doit pas faire flamber expressément les prix. Mais pour ne pas que les prix descendent, ils continuent de prendre du poisson et du stock, ils font sortir un peu pour vendre à 1200 pour ne pas que le décret soit respecté. Pour rejoindre Vagabond, il faut dire que nous crions au président de la République et nous crions à la face des Ivoiriens. Comment le président Alassane peut prendre un décret et il va se trouver des personnes qui se disent le relais du gouvernement qui n'agissent pas de concert? Est-ce que cette mesure du décret a été prise pour nous éjecter, nous Ivoiriens, en tant qu'acteurs de la filière? Voilà la question. Le décret a-t-il été pris pour éjecter les Ivoiriens de la filière? Parce que nous, Ivoiriens, nous avons soutenu le décret et nous le continuons de le soutenir. D'aucuns pourraient dire que le décret est abrogé. Aucun décret n'est abrogé tant qu'il n'y a pas encore une nouvelle disposition. Nous sommes dans un pays des droits. On dit que quand le décret sort, il dit abrogeant toute disposition antérieure. Donc tant qu'il n'y a pas de disposition antérieure, c'est la même disposition qui court. Et tout à l'heure, Samba vous a fait étalage de l'actualité des prix sur le marché. On parle du 9 août. Les prix que vous avez là, ce sont les prix qui datent du 9 août. Là, nous sommes en août. L'État de Côte d'Ivoire dit que le prix du thon sur le marché local est de 850 francs. Mais dans quelle chambre froide sur toute la surface de la Côte d'Ivoire là, on peut trouver 1 kg de thon à 850 francs. Ça n'existe pas. Est-ce de la mauvaise foi? Parce que les gens donnent des informations à l'État de Côte d'Ivoire, mais des informations qui sont erronées. Monsieur le Président, le prix du poisson, tout va bien, le prix du poisson est à 850 francs. Or, en réalité, il n'y a aucune chambre froide qui vend du poisson à 850 francs. Vous pouvez parcourir tout de suite les environs, vous allez voir. La première chambre froide que vous allez trouver, forcément le poisson, il est à plus de 1100 francs. Vous ne trouverez jamais de poisson en Côte d'Ivoire à 1000 francs. Donc nous sommes là pour émettre un cri de cœur, pour interpeller nos dirigeants, pour dire que nous soutenons le décret, nous l'avons encouragé, nous l'avons soutenu et nous continuons de le soutenir. Si rien n'est fait, nous allons nous lever. Parce qu'il s'agit de notre pays. Nous n'allons pas accepter d'être éjectés arbitrairement pendant qu'il y a une disposition du président de la République qui nous fait droit. Il n'y a pas deux autorités suprêmes dans un pays. Je vous remercie. Merci. Merci, Dabro Miller. Merci, Dabro Miller. Nous allons donc donner la parole à
au directeur général de Inter-Océan, qui va nous expliquer quelques détails, voilà, sur ce que certains brandissent comme argument pour les conforter dans leur position. Oui, monsieur le directeur général, vous avez la parole. Je vous remercie. Ok. Chers frères journalistes et sœurs, je vous remercie pour votre présence. Je suis M. Arnaud Giron-Conet, le directeur général d'Inter-Océan. Je vais être un peu lent, mais précis, pour qu'on ait l'esprit clair de la chose. Je pense que sorti de là, chacun va prendre ses dispositions pour pouvoir bien écrire. Inter-Océan existe dans le port plus de 20 ans. Inter-Océan travaille avec les entreprises françaises et coréennes. Et il a travaillé avec les Coréens pendant 20 ans. Inter-Océan, pour ne pas trop rentrer dans le secret, fait un chiffre d'affaires au minimum de presque 5 à 7 milliards par an avec les Asiatiques. Comprenez très bien. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? À son temps, nous avons fait fusion avec d'autres entreprises pour avoir un prix, pour ne pas que les prix soient vraiment grimpés. Nous sommes tombés d'accord et on payait le poisson à 400 francs, au maximum à 450 francs. Quand il y a le repos biologique, c'est ça, le poisson va jusqu'à 500 à 560 francs. Et il y a l'un de nos partenaires qui, lui, il avait trois navires, trois bateaux. Et on était en fusion, lui, il livrait, comme on appelle, directement sur le marché local. Quelques années après, ce dernier a vendu, comme on appelle ces bateaux, la bateau a vendu les bateaux de ce dernier. Du coup, n'a rien à faire. Et bien avant même qu'on vend, comme on appelle, il vend ses bateaux, un jour il nous a appelé pour dire que lui, il travaille avec trois bateaux, nous c'est un seul bateau, donc du coup, lui, il va se retirer de nous. Donc il s'est retiré, et quelques mois après, malheureusement, sa société a pris un coup. Mais malgré cela, ce dernier a chômé pendant 2 à 3 ans. C'est Inter-Océan chaque fin du mois qui lui donnait l'argent pour se nourrir. Malheureusement, vous savez, les gens sont de mauvais esprit. Ce dernier prend le maître de ma société et il envoie un mail à Corée pour dire aux Coréens: vous vendez le poisson à nos Jérôme à 400 francs, moi je paye à 700 francs. C'est ainsi que les Coréens m'ont envoyé un message pour changer le prix. Je leur ai dit que une différence de 300 pour 1000 tonnes, je paye 300 millions, donc je ne peux pas. Ce qui m'a mené à aller en Corée du Sud avec mon partenaire pour aller régler cette affaire avec eux. Et on est tombé d'accord quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire. Il était question qu'on revienne sur l'ancien système. Et quand je suis arrivé, ils n'ont pas encore respecté et je les ai convoqués à son temps devant le ministre des Ressources Animales à lui dire, le ministre d'État, Kwasi Kwabena-Akinwumi. Arrivé là-bas, ils ont dit, monsieur le ministre, dès que nous descendons de l'ascenseur, mettez-vous en esprit que le problème de Jérôme sera réglé. On va aller sur les anciens
truc, et puis on va voir combien il doit récupérer, comme on appelle son argent, en poisson. On descend de l'ascenseur et les Coréens lui disent, j'ai même fait des histoires avec moi. On dit pourquoi on l'a convoqué devant le ministre Adjumani. Et le lendemain, je suis venu vers le ministre encore pour dire, ah, hier le monsieur, tu lui as fait à tout, en bas, voilà les histoires qu'il m'a fait. Donc monsieur le ministre était très fâché. Et même on voulait les sanctionner, ça n'a pas duré. Il y a eu le remaniement ministériel, le ministre Dussou a pris, le ministre Dussou est venu, comme on appelle, aux affaires. Et le ministre Dussou a continué, comme on appelle, dans le sens du ministre Adjumani. Et les Coréens ne répondaient pas. Et il était obligé de bloquer leur navire. Et c'est par négociation qu'il a pu libérer, comme on appelle, le bateau. Donc, quand on s'assoit qu'on fait les comptes, c'est les Coréens qui me voient. Ce n'est pas un tel océan qui doit, comme les autres bras passés par là, tout et tout. Parce que ceux qui sont allés dire qu'ils vendent, comme on appelle, à 700, et qu'aujourd'hui, que un tel océan a quitté, comme on appelle, la filière, j'ai quitté la filière, parce que ce prix-là, j'ai dit que je ne peux pas prendre, par exemple, pour laquelle ils ont donné, comme on appelle, à ce dernier. Donc, en grosso modo, voilà ce qui se passe entre Inter-Océan et comme on appelle, et les Coréens. Donc, quand les gars braquent les trucs, vous savez, est-ce que c'est les Coréens qui tend ça dans les journaux, tout et tout? On attend de régler leurs problèmes. C'est ceux qui sont alors augmentés le prix pour prendre le marché. C'est eux qui grandissent. Alors que ceux-là, un moment donné, quand ils ont eu des problèmes, ça nous gérons comme on appelle, qui les aidait, parce que par là, tu et tout. Donc voilà, monsieur les journalistes, en quelque sorte, quand on dit qu'un tel océan doit, un tel océan doit, un tel océan ne doit même pas 5 francs à un armateur. Un tel océan doit à l'État du Côte d'Ivoire. Et pourquoi un tel océan doit à l'État du Côte d'Ivoire et il doit aux banques? Il faut que je vous explique. Les Coréens viennent vendre le poisson cher. De telle sorte qu'à ce prix dont ils nous ont dit à son temps, comme je vous ai expliqué, qu'ils allaient revoir les prix. Raison pour laquelle le ministre les a salués et il les a dit un grand merci. Mais si on descend comme on appelle de lui-même que ceux-là ne diminuent pas le prix qu'ils avaient promis au ministre, l'écart est énorme. De 450, on monte à 750. Vous voyez combien de francs ça fait? Pour 350 000 tonnes, ça fait combien? 350 millions. Pour 1000 tonnes. Pour 1000 tonnes, ça fait 350 millions. Un tel océan débarque au minimum 10 000 tonnes par an. Vous comprenez? Et pour quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 7 milliards jusqu'à 20 ans, et on braque un truc d'un milliard 800 millions, comment vous pouvez comprendre que ce que ces derniers disent là? Donc moi je suis fou. J'ai fait des centaines de milliards pour donner à quelqu'un, au lieu de prendre beaucoup de milliards pour faire mes affaires, et au final c'est un milliard et quelques. Donc ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. L'État a pris, comme on appelle, des décisions, un décret. Et le décret que l'État a pris, moi étant le seul Ivoirien opérationnel dans la filière, j'ai dit, moi, je ne peux pas dépasser le décret de l'État pour payer le poisson autre que le décret. On dit, ah, si c'est comme ça, nous, on va payer le poisson 750 à 800. Officiellement, on paye à 400. Officieusement, on vous paye les 400 en dessous, comme on a dit, en dessous de l'État. Moi, j'ai dit, je ne peux pas prendre. Donc, on préfère, comme on appelle, m'écarter parce que nous allions au décret, comme on appelle, de l'État du Côte d'Ivoire. Mais les chefs journalistes, en Côte d'Ivoire, tu dois même 100 000 francs à quelqu'un, tu dois te retrouver à la maca. Jusqu'à quelqu'un doit 2 milliards. Et puis il se promène, il monte dans sa belle voiture, il fait tout et tout, et puis il n'y a rien. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc je pense que essayer de réfléchir et puis savoir où est le problème. Le problème entre moi et les Coréens, il n'y a pas, jusqu'à présent,
nous sommes comme en train de régler ça. Et pour ne pas tromper le secret, l'ambassadeur de Corée même a le dossier. Les affaires étrangères ont le dossier. On est en train de voir dans quelle mesure on va trouver des solutions. Donc, en fait, voilà comment on appelle le problème entre interocéan et comment on appelle les Coréens. Ce qui concerne les Français, parce que la semaine dernière, on a vu que dans les trucs, on dit interocéan devait encore être 300 millions ou bien 800 millions bateaux français. On ne doit même pas être au bateau français. On a travaillé très très bien, sans problème. Je vais en France, à interocéan, en tout cas, tout se passe très bien. Mais c'est par rapport au décret. C'est par rapport au décret qu'aujourd'hui, je n'ai même pas un kilogramme de poisson. Voilà, ceux-là, quand ça chauffe, ils peuvent prendre comme on appelle voiture pour traverser la frontière. Mais moi, si je ne respecte pas le décret, mes frères, je suis en Côte d'Ivoire, je suis chez moi à la maison, en état de Côte d'Ivoire. comme on appelle la police, la gendarmerie, peut venir, comme on appelle, perquisitionner, bien prendre un autre nom pour lui poser quelques questions. Pourquoi le président de la République a signé un décret et puis un terroriste ne le respecte pas? Voilà pourquoi ils sont vivants. Sinon, il n'y a rien et absolument rien sur ce côté-là. C'est ce que je peux, comme on appelle, vous dire. Merci. Vous avez donc l'explication du DG de Interocéan. Je crois bien que sur la question, sur ce sujet-là, toutes les questions ont été abordées et les journalistes, plus ou moins, ont été satisfaits. Je voudrais dire à tous les journalistes, à tous les demi-grossistes et grossistes ici présents, à tous les consommateurs de Galba, à tous les vendeurs de Galba ici présents, que notre lutte aujourd'hui est de lutter pour que le décret soit respecté. Plus le coût est bas, plus les Ivoiriens se sentent mieux. Et comme l'a dit le président de la République lors de son adresse à la nation, la cherté de la vie est une question de tous. C'est nous tous qui devons nous battre pour que le coût soit bas. Alors, lors de mes publications, je disais qu'il y avait un cartel qui décidait d'augmenter le prix et ainsi de suite. Voici les explications. Quand le poisson doit être vendu à 400, et que les Ivoiriens ici présents veulent que le poisson soit vendu à 400, et que l'autre dit non, moi à 600 je peux l'acheter, ils préfèrent donc traiter avec celui qui va prendre cher en violation du décret du président. Voici comment Interocéan, Établissement Tagro et les autres entreprises qui sont là se sont retrouvées dehors. Mais parmi ces personnes qui dirigent le cartel, ce sont la plupart des étrangers, mais il y a un autre frère de la CDAO qui est burkinabé, qui n'a pas les moyens comme eux de faire acheter le kilo de poisson à 600 francs, qui lui a préféré s'aligner au décret du président, qui s'est retrouvé aussi dehors. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'aurait pas un kilogramme de poisson. Et avec eux, tous les Ivoiriens, toute la jeunesse qu'ils employaient, parce qu'il faut retenir quelque chose. Nos frères de la CDAO, quand ils ouvrent une entreprise, ils vont chercher la main d'œuvre chez eux. Hein. Les journalistes qui sachez, nous sommes tous au bord, ça va là-bas aussi. Quand vous allez, ils vont chercher la main d'œuvre chez eux. Alors quand un Ivoirien ouvre une entreprise ici, il prend son frère. Donc quand c'est fermé aujourd'hui, regardez les gens qui sont dehors, qui sont au chômage aujourd'hui. C'est de ça qu'il faut parler. Sinon, j'ai été contacté aussi par les membres de ce cartel-là pour parler avec moi, pour discuter avec moi, pour laisser cette affaire, moyennant quelque chose. Mais aujourd'hui, même, j'ai besoin d'argent pour acheter mes comprimés. Mais je n'ai pas accepté. Les mêmes, là, je n'ai pas accepté. Parce que comme depuis toujours, je suis dans une logique de défendre la justice. Comment se fait-il que vous ne respectez pas le décret?
Moi, je fais 3 ans de prison parce qu'on dit j'ai été hors la loi. Mais il y a une loi qui m'arrange actuellement, qui réduit le coût du poisson. Et puis, je vais manger mon garde bien, je vais ouvrir mes cabadrons. Vous violez ça, vous voulez que je vienne avec vous? Non, ça ne marche pas. C'est vrai, l'argent est bon. Mais après, tu te bats pour quoi? C'est ça qui est la réalité. Vous voyez? C'est ça qui est la réalité. Donc, chers journalistes, chers Ivoiriens et Ivoirois, excusez-moi, c'est comme ça que j'appelle les Ivoirois maintenant. Ivoirois parce que nous sommes rois. Quand on dit on voit rien, Ivoirien, on voit rien. C'est pour ça que les gens font tout dans notre pays et puis on dit rien. Maintenant, on se fait appeler Ivoirois. Et nos femmes sont les reines, les Ivoiriennes. Donc, chers Ivoirois et Ivoiriennes, voici un peu ce pourquoi nous avons initié cette conférence de presse pour expliquer à tout le monde où est le problème. Aujourd'hui, c'est l'application du décret du président. Il faut que tous ceux qui achètent le poisson au port respectent ce coût-là. Parce qu'il a fait ce décret pour que le garde-pain soit à portée de tous. Que ça ne soit pas la nourriture de l'hôtel Ivoire. Que ça soit la nourriture de la masse. Je voudrais donc lancer un appel à tous les acteurs de ce secteur, du secteur thon, que nous avons sur 2 semaines communiqué sur une marche sur le port, bien avant que je ne rechute de ma maladie. Aujourd'hui, nous allons fixer donc la date de cette marche qui est le samedi 22, regardez la date. Voilà. Nous allons donc appeler tous les vendeurs de Garba, tous les acteurs du secteur thon, tous ceux qui sont contre la vie chère en Côte d'Ivoire et tous ceux qui voudraient que le poisson thon soit acheté au prix décidé par le président de la République à une marche sur le bord. Cette marche-là ne vise pas une région, une religion, des personnes, encore moins des entreprises, mais vise à faire respecter le décret du chef de l'État. Pour que le poisson suive réellement son circuit de distribution, voire à 400 quand il sort du bateau, 600 au demi-grossiste, 650 au détaillant, et 850 francs sur le marché. Donc c'est le samedi 20. Nous avons décidé la date du samedi 20 pour ne pas qu'on nous dise que nous avons empêché le 20 août pour ne pas qu'on nous dise que nous avons empêché les travailleurs d'aller au travail. Le samedi, la circulation est libre. Nous allons directement sur le port pour dire aux autorités portuaires que nous voulons faire respecter le décret. Que tous ces Ivoirois et Ivoiriennes qui sont hors du secteur doivent intégrer en faisant respecter le prix. Que tous les grossistes qui sont d'accord pour acheter le poisson à 400 francs se joignent à nous. Tel est notre combat. Tel est notre combat. Et je crois bien que la police ivoirienne sera très heureuse, ou les journalistes et patriotes, le jour et l'expression qui sont là, vont applaudir parce que Samba dit il veut que le décret de Ouattara soit respecté. Ça sera une grande première pour eux. Les gens à côté là-bas vont dire ah, on l'a accepté. En tout cas, le décret a m'acheté. Le décret dit on va prendre le poisson à 850 francs sur le marché. Et comme nous autres, nous avons ouvert des gabadromes qui sont aujourd'hui fermés parce qu'il y avait des chantages qui étaient faits sur le marché. Aujourd'hui, on te donne le poisson. Demain, on ne te donne pas. Aujourd'hui, on te donne. Demain, on ne te donne pas. Ou bien, on te donne le poisson qui est presque avarié. Et quand tu mets dans ton congélateur, le lendemain, ça gratte la langue. Et puis, tu perds. C'est donc ce combat-là que nous menons.
chers Ivoiriens et Ivoiriennes, voici l'appel que je lance à tout le monde, à toute la population de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui voudraient faire de la lutte contre la vie chère leur combat, de se joindre à nous pour que ce samedi-là, nous organisions une procession très calme sur le port et là-bas nous tiendrons un grand meeting pour dire non à la violation du décret portant réduction ou plafonnement du prix du poisson thon en Côte d'Ivoire. Qu'on veuille ou pas, si on a bateau ou on n'a pas bateau, c'est nous on consomme le poisson. Comme les Européens consomment notre cacao et fichent le prix là, c'est nous on doit fixer le prix. Le président il a pitié, il dit qu'à ça, nous-mêmes on avait dit sur le bateau, descend. Voilà, parce que le poisson thon, ce n'est pas seulement dans Tchéké, mais dans sauce grande même, on met poisson thon. Voilà, dans sauce grande, on met poisson thon. Tête de beaucoup, beaucoup. Qui n'a jamais mangé ça ici? C'est à ça. Nous sommes libres aujourd'hui. Je voulais donc vous remercier. Et un instant, il y a le DG qui dit qu'il voulait, il a oublié un détail. Je vais lui donner donc le micro pour que après ça, son détail, nous allons donc lever la séance. Ok. Merci. Bon, ce que je voulais souligner, c'est que l'État est gros dans cette affaire. L'État est gros dans cette affaire. À cause du prix qui est très très grimpé, tous les marailleurs du port de pêche côté thon n'arrivent plus à payer les impôts. Ils n'arrivent plus à payer la douane. Ils n'arrivent plus à payer la CNPS. Ils n'arrivent plus à payer l'assurance maladie. Ils n'arrivent plus à payer tous ces trucs-là parce que quand tu vends le poisson cher, l'armateur, lui, comme le frère l'a dit, ils amassent ces milliards pour mettre sur le bateau, ils le chargent en dollars sans passer par finesse et puis lui, il continue. Comme on appelle le cartel, eux aussi, comme eux, à chaque fois, ils changent d'agrément, ils ne payent pas tous ces droits-là, et à chaque fois, ils étaient échangés, comme on appelle les sociétés. Que l'État jette coup d'œil. J'aimerais que l'État mène les enquêtes, en tirant tous les tonnages qu'on a débarqué comme faux poissons au bord des pêches pour faire un contrôle. Parce que l'État doit avoir des milliards. Et pour avoir ces milliards-là, si on diminue le faux thon et que le prix est bas, ça nous permet d'avoir un peu de marge. Et sur ces marges-là, on peut payer les taxes de l'État. Inter-Océan, même qui est en face de vous, il doit beaucoup, 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 sans compter les autres aussi, qui doivent, comme on appelle, des milliards. Il y a d'autres qui doivent les milliards et ils préfèrent traverser la frontière pour aller investir chez eux. Nous sommes là, on peut aller nulle part. Donc c'est ce que je voulais, comme on appelle, ajouter. Au niveau de la douane de Côte d'Ivoire, la dernière fois, un mois de cela, on nous a fait sortir le fichier que les marailleurs du port de pêche doivent des milliards, qui n'a rien à voir avec les impôts. Mais si vous avez l'argent, au lieu de payer l'État de Côte d'Ivoire parce que vous êtes dans un pays, vous préférez donner tout cet argent à l'armateur pour qu'il parte. Mais l'État fait quoi pour vous qui êtes là, pour pouvoir, comme on appelle, s'occuper, comme on appelle de vous? C'est très important. Il faut que l'État voit ce côté-là. Et si l'État regarde, on a beaucoup à gagner. La Côte d'Ivoire a beaucoup à gagner. Je vous remercie. Merci. Alors, pour des interviews pour ceux qui voudraient tendre leur micro.